OK! Oré grave! Bonne émission. C'est tellement pas dans mes affaires de comme explorer différentes connexions. C'est bizarre, ouais. Genre, Alexandra? Je peux pas forcer une connexion qui est pas là. Hier, tu sais, je disais tout à des petites jokes, ça va faire ça. Moi, j'aimerais te faire maison de l'amour. Avec Vincent. Comme là, on dirait, j'ai comme pas honte que comme j'ai dit tout ça, mais un petit peu, tu sais, in the sense que je suis comme, tu sais, j'avais l'air d'une grosse folle, là. Ben non. Faut aller chercher ce que tu veux. On se connaît comme on se fight pour un gars. Non. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu t'es reposé des questions sur tes mots du début. Mais je veux pas invalider ce que tu fais. Mais moi, je veux juste dédramatiser. Oui, mais j'aime ça, OK? On dirait que dans ma tête, ça n'allait pas t'affecter. On dirait que j'ai juste souri tout le long. Là, je l'assume pas. On dirait que je vois juste lui. Mais oui, il y a aussi Matt B qu'on n'a pas vu du début, mais il tripe sur elle aussi. Oui, mais attends, je suis juste à dire, par contre, que Céline, elle s'est pas gênée pour dire son intérêt pour Vincent, puis Lara, elle a été là, puis elle était comme, c'est correct. Ouais, c'est pas Lara qui va péter sa coche. Puis là, Lara a dit ce qu'elle pense sur comme Vincent, puis là, Céline, elle serait off. Matt B est là, mais... Je pense que tout le monde a mieux Vincent. Ouais. C'est ça qui arrive. J'ai vécu la même chose la semaine avant. C'est ça. Mais je l'ai moins peut-être laissé paraître. Je trouverais comme, je sais pas, c'était pas une good friend moment de moi. Là. Mais non, c'était vraiment plus comme la façon que j'ai agi, que j'étais comme... T'as pas mal agi dans rien. C'est ça. Si j'ai pas de connexion, je vais pas rester ici puis comme faire semblant. Mais là, comme, je vais pas prendre une personne comme bouée de sauvetage ou comme des affaires de même, tu sais. Matt B, c'est mon genre. Il est friggin' beau. Ah ouais? C'est quelqu'un que je me verrais genre comme développer une connexion avec. Matt B, jusqu'à date, comme ça pourrait être de quoi. Peut-être qu'elle va juste pas pantaler vers l'autre parce qu'elle veut respecter trop l'horaire. Tu penses? C'est pour ça qu'elle est comme Matt B, I guess. Tu vois? Ouais, c'est, elle sera pas dans les jambes à Vincent, c'est vrai. Dino, thanks for Prime! Oh, c'est beau ça! Vraiment, le ski en gazon! C'est cool le ski pour vrai! Bye! Oh! Qu'est-ce qu'ils ont sauté d'eau? Un petit bateau! Crème, ils ont sauté d'eau là! Donc, on arrive à Copenhague! Il n'y a pas beaucoup de véhicules, on se promène. Ouais, bouteille plus pour les activités, moi, tout, c'est je très ça. Moderne! Fais-moi chier, personne à l'autre! J'avais jamais vu ça de ma vie! Et on est accueillis par Maria la guide! Hi guys! Hi! How are you doing? La chute! Ready for a bike tour? Qui nous dit qu'on s'en va faire du vélo? Mais pas du vélo normal, là. Du bicycle avec un genre de chariot en avant. C'est Wonderful Copenhagen qui nous a permis de faire cette belle activité. Et là, moi, je m'assois sur le vélo. Puis en avant, il y a Mathieu. Mathieu était super angoissé là, que je conduise. Là. Il avait peur. Oui, là. On va voir si j'ai un pouvoir de guider comment que ça se passe, mais je laisse ma vie entre les mains de Léa. Là. Moi, je suis en confiance au début, mais ensuite... Il rend ça super dramatique. Là. Mathieu, il est quand même lourd, finalement. Capable. Puis là, pour se rendre à la première place, ben il y avait des côtes en masse. Moi, j'ai jamais fait de vélo à Copenhague de ma vie. J'ai hâte de voir si moi, ça va être un petit peu plus facile parce que ça... Chez le Victoria, faire du bicycle. Ouais. Bicycle est plus haute que chez le Victoria. Genre, je veux pas faire chier, là, tu sais. Je veux dire, la prod, c'est full forcé pour ça, puis non, c'est correct. C'est un mais développement comme, d'activité pour c'est découvrir C'est un développement d'activité, ouais. Définitivement. C'est juste que, tu sais, avec les confesses, ils ajoutent de la musique comme si c'était de quoi de super intense. Ouais, c'est que ce soit une activité, je suis comme... Genre, oh mon Dieu, Mathieu s'est mis en avant de moi, puis là, j'étais comme, ouh, comment je vais faire? Tu sais, il crée du drama. Il crée une histoire qui a comme pas rapport. Ben, là, mais quand tu... Ben, je le vois, puis je suis comme, ah, oh, mais... Très beau, on est sur le bord de l'eau. C'est super vraiment belle beau. Vue, très super beau. Belle température. Belle place sur le vélo. C'est très plaisant. Je pense que c'est à ton tour. Go. Mathieu qui avait l'air très confiant de prendre les devants. On va faire de la vitesse. Oh oui! Oh on repart God. Sur le pont et première chose qu'on fait, bang, en avant, il fonce dans le Snake Bridge. Rentre dans la clôture, direct. Puis j'ai bien ri parce qu'il avait l'air très confiant. C'est pas aussi facile que je le pensais. Chapeau à Léa, finalement. Donc, par la suite, on arrive au Circle Bridge, un genre de pont fait en rond. L'intention behind this is actually to slow down cyclists. And the artist really wanted people to slow down and take in like the beautiful view of Copenhagen. Nice. Le monde se tient définitivement. C'est beau, ça! C'est bien gros, Copenhague! Pour le fun. En 2481. Non, c'est vrai, c'est pas si pire. Ça a l'air d'une foule belle ville, par contre, pour rien. As the last stop on our tour, ah, I want to show you the swim l'urbanisme zone. Est incroyable. Ah, ben, ça, c'est cool. The harbor was cleaned very thoroughly to get rid of c'est all the nice industrial waste. So now this is super clean seawater. It's tested every day to make sure that it's clean Mon enough Dieu. To swim in. Ça, le côté urbain de la ville est fou, oui, genre. Tu sais, tu peux pas voir ça à Montréal avec une ville qui est comme pognée en expansion puis qui a 4 millions de personnes dedans. C'est ça, mais en même temps, c'est vrai que s'ils voulaient faire le tour de la ville, tu sais,
Il n'y avait pas le choix de le faire soit en vélo ou en char. Puis c'est plus intéressant en vélo avec un chariot en avant. Exact, les trucs à pied, c'est plus. Ils n'ont comme pas le choix de choisir des trucs qui sont plus touristiques, je dois dire. Mais t'sais, si je vais là-bas, je veux voir la ville. T'sais. Oui, c'est ça. Fait que... Non, je suis qu'on skip les questions plates, genre c'est quoi ta couleur préférée, puis qu'on parle. Ok, fait que pas t'as-tu un chien. Qui te suit sur Instagram? Ben Shapiro. Je suis allée droit au but, moi, dans le fond, vu que je viens juste d'arriver, je voulais savoir c'était quoi les premières impressions. Moi, dans le party, j'étais comme, oh, faut que j'aille parler à ce gars-là, oh, faut que j'aille parler à ce gars-là. Puis là, j'étais comme, oh, mais là, il y en a un autre là-bas. Ouais, si t'avais eu à choisir, mettons, le voyage, je l'aurais fait avec qui? Je sais pas, je pense que ça aurait été très difficile parce que j'ai plusieurs intérêts, sincèrement. Une main, c'est quasiment pas assez pour dire mes intérêts, là. Sinon, avec Vince, penses-tu que... Ben, je sais pas si y aurait un intérêt. Et son type, c'est les blondes, fait que oui. Parfait! Il parle vite! J'ai eu c'est un accès avec comme... Vincent, donc là, je vais demander... C'est ce qu'il disait. Et lui, il veut être ami. Je vais le parler de Rebecca. Y a-tu quelque chose avec Rebecca qui était moins assez développée? Comment je décrirais ça? Moi, quand je commence avec quelqu'un puis que ça clique, j'ai comme tendance à pas défaire de cette connexion-là avant que ça me prouve que ça puisse pas fonctionner. OK. Donc, si t'avais eu à choisir quelqu'un en voyage, t'aurais choisi Rebecca. En fait, si j'avais eu à choisir personnellement, c'est sûr que j'aurais été avec Rebecca, qui est mon premier choix. Ça, on m'a pas dit. Mais je sais. Je ne sois pas dans les top de ma vie. Mais vraiment belle! On se rend justement à notre hôtel qui est la villa de Copenhague. De l'extérieur, l'architecture, c'était magnifique. Ooh. On rentre dans la suite, c'est à couper le Villa souffle. Copenhague, on va y aller? Oh my God! C'était tellement énorme, là! C'est super, super beau. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est huge! Partout sur les murs, un bain que j'aurais probablement voulu dormir. Ben oui, on a dit ça, mais là, je vois ça dans le chat-tal. C'est pas si deep que ça. Faut pas non plus, comme, assumer plein d'affaires parce qu'il suit des shit sur Instagram, comme, t'sais. Peut-être que c'est des trucs qui suent depuis tellement longtemps pis qui s'en souviennent même plus qui suent. C'est comme. T'sais, ça arrive des fois, là. On va laisser dire de la bonne marde qui vient corroborer ça plutôt que d'assumer des shit, tu comprends? Mais... Ouais, en tout cas, on pense à autre chose. Ça va rien, là. Les deux seuls potentiels que j'ai, c'est Marilyn pis Lara. Ouais. Est-ce que je suis sûr? Non, avant tout, mec, j'ai parlé 6 minutes. Mais c'est juste, il y a que non. Mais ça, c'est le monde cette année. Quoi? Tout le monde est là. Il disait qu'il voulait éliminer Marilyn. Qui ça? Sammy, puis Jake. Mais non, moi je suis pas. Mais ça va être démocratie. Là. Ouais, démocratie forcée. Je sais juste pas pourquoi le nom de Marilyn serait sorti, big. C'est genre, elle est dans les tops à genre comme 4 boys. Là, genre, je veux dire. S'il n'y a aucun de nous 7 qui est là dans son pool, il n'y a aucune raison pourquoi qu'on la garde. Mais pourquoi t'as pas de Laurence? Pour 4 personnes. Lara, Rebecca. Ils l'ont peut-être juste cut pour. Ouais, c'est ça, pour qu'on pense que ça soit pas elle. Faut comprendre tout, vous êtes habitués, là. Ils font tout le temps ça. C'est là. Vrai. Ils veulent qu'on fasse un Pikachu face surpris, là. Oui. Comme t'sais... la semaine dernière, là. Quand ils mettaient full l'enfance sur le fait que c'était Laurence qui allait être éliminée. Mais on le savait. Moi, puis Matt, on l'avait collé. Ils ont jamais rien mis de Rocky, puis c'est équipement. Ah, oh, ben. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça. Non, le nouveau Jérémy. Mais si tu n'es pas Laurence dans ton. Pas sûr, c'est tant que ça. Non, pas à part. Non, mais elle est en danger. Elle est en danger. Mais si tu t'aimais dans ton top, most likely que c'est Léa qui va partir. T'sais, si lui, Samy, Léa, c'est son top. Ben, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter. Mais pourquoi c'est ces deux filles-là, mettons? Mettons, Marie-André, y a-t-il quelqu'un à part Anto qui est dedans? Une chose pour Mia? Oui, mais je comprends, mais à un moment donné, il faut voter. Toi, tu me sors que c'est ces deux filles qui sont en danger parce que vous en avez parlé, genre, ces discussions-là, ça serait vraiment plus nice que tout le monde les ait ensemble. Ouais, ben, on va les avoir demain. Ouais. Ben, je pense que vous les. Qui que Chad? Ben non, mais en même temps, moi, je suis d'accord avec Antoine. Choisis chacun une fille à sauver, puis les. Mais ouais, moi, je trouve qu'il il vient d'arriver, ça fait deux secondes qu'il est là, puis il est comme, mais non, ça prend pas, ça. C'est comme, c'est tellement dur à faire dans la vie, ça, de mettre son pied à terre, là-même, là. Si ça paraît les plus vieux, il est capable de dire son point, puis sans, comme, avoir l'air d'un cadre. C'est parce que là, il vient de dire qu'il y a trois tops, mais tu sais, il va falloir t'en choisir ça, parce qu'on doit en éliminer, là. Allez! Réaction inattendue! Ça va bien? Je m'en viens vous annoncer que. Ouais, Samuel est bien balancé, man. Un garçon, ça va. La chanceuse va pouvoir aller visiter la ville de Rhonda. En plus de visiter cette ville-là, la chanceuse va pouvoir descendre la gorge. Jérémy, il n'y a pas eu d'accident. Oh, il y a eu un voyage. Jesus Christ, il y a eu un voyage, ça n'a pas rapport. Ça laisse c'est vraiment beau. Je vais pouvoir descendre la gorge El Tajo. C'est ça, rappelle. Ça, les filles, là, c'est. Tu sais qu'ils ont pas les images que nous on a eues, pis qu'ils savent même pas qu'est-ce qu'il y a de dire, mais moi je suis comme tabarnouche, c'est. Oh ouais, c'est débile. C'est donc un hot. T'es vraiment. Chanceuse. Beau. Il partira. Oh my god, oh my god. Rebecca. Laurent. Rebecca. Hey. Laurent. Attention. Peut-être. Laurence.
T'as la chance de choisir. Avec quel garçon tu veux vivre ça? Je vais choisir Jérémy. Oh my god. Comment tu penses? Et Laurence avait le droit de choisir. Avec qui tu veux y aller? Je sais pas qui elle prendrait. Qui tu penses qu'elle prend? Ben Jérémy. C'est le seul qui est intéressé. Ouais, ouais. C'est ouais. sûr qu'elle ira pas vers un autre gars. Elle a choisi. Jérémy. Yeah! Jérémy! Bon, les filles, bonne journée. Pas l'activité, par contre. C'est vraiment fait. J'aurais pas dû dire que j'avais pas peur des hauteurs. Je me suis dit, je pense que je vais aller avec lui, j'aimerais ça approfondir. Je crois que les deux, mutuellement, on s'est dit qu'on avait un intérêt, donc je pense que oui, ça va sûrement se développer encore plus. Bon, ben finalement, c'est pas Laurence qui passe cette semaine, ça va bien leur date. Mais Marandré ou Laurence? Ouais. Ou Mia, souvent. Mia? Ça a pas de bon sens. Mia, Léa, souvent. C'était magnifique. À l'arrivée, on rencontre Antonio et Victor, qui sont nos guides. So, are you ready? C'est les frères. Donc, on met le wetsuit, on les suit. C'est une scène. Ça part qu'ils vont dans l'eau, là. Ben en fait, c'est parce qu'ils atterrissent dans l'eau. Ouais, ils descendent en rappel, mais ils atterrissent dans l'eau. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Et ils vont jusqu'en bas. Ils la montent ou ils la descendent? Peut-être qu'ils montent, ouais. Ça, c'est trop. J'avais hâte de voir aussi un peu comment que Laurence allait réagir. T'sais, on était dans la bouette, tout ça. Il y a plusieurs filles qui ah, moi, je me salue pas. Ça part. Ouais. Et tabarouette! C'est quoi? La fille est vraiment cool. Côté princesse, côté j'ai pas peur de me saluer, nature, tout ça. Je pense que c'est le mix parfait qu'une fille peut avoir. Comment c'est ça? Mais ben, c'est vraiment du canyonné, j'ai hâte. Tu l'as promis? Ben, ça me dérange pas. Ouais? Ouais, ça me dérange pas, je peux y aller. Tu vas pas plus rire de moi, c'est vrai. Jérémy m'a tendu la main plusieurs fois pour m'aider à monter ou descendre les roches, puis je trouvais ça juste super galant, en fait. Et il me demandait même si je veux être en avant ou en arrière. Moi, j'ai fait du style genre arbre en arbre dans ma vie, là, tu sais, passer d'une place à l'autre avec un harnais. Mais là, plus que ça, j'avais. OK. Yes, Seigneur, OK, finalement. C'est haut? OK. C'est haut, là. 60 mètres. 60 mètres! C'est 60 mètres? On le voit que tu es pas en haut. On était vraiment haut quand même à 31 mètres. On voit pas en bas. 31 mètres! Même pas en haut, bande! 31 mètres! Je pourrais sauter en bas. On a fait 70 ou 130, je suis plus sûr. Je pourrais sauter en bas, gars. En tout cas, bref, OK, c'est vraiment pas haut. C'est vraiment pas égal. Il y a de l'eau qui coule, t'as les souliers mouillés, c'est glissant. Je pense pas de gants, en plus, je suis quand même surprise. Je trouvais ça quand même haut. La première, peut-être 30 secondes, ça a été de l'adaptation qu'on prend de la corde. J'ai peut-être l'air un petit peu fou, mais je pense qu'après, j'ai comme compris la twist. Hey, je suis rendu full bon! Là, c'est toute ma vie! C'était arrivé en bas, tu sais. Comme des escaliers, je sens ça à confiance, puis ça se fait bien été, honnêtement, j'ai adoré. J'ai oublié qu'il n'y avait pas de gants. Mets tes pieds à plat, c'est vraiment tes pieds qui vont contrôler, genre. C'est ça, en plein ça. Ça reste plus long. Dans le bas, là. J'aurais pensé que ça faisait la 10e fois que tu faisais. Ah! C'était super naturel. Arrête. La 10e! Oh my god! Ce serait un truc que je recommencerais tout de suite. So cute! Oh, ça, je suis 10 fois okay, c'est juste pour être sûr, je vais pas te remonter. Il y a plein d'algues! Ça se fait les roues. On est arrivé dans un quand même de grand bassin. On avait l'air, ça avait l'air d'être comme du gazon flottant. C'est quoi ça, hein? Ben là, t'es sérieux? Je sais pas. Jérémy, il arrêtait pas de mettre ses mains là-dedans. Là. Du coup, j'étais comme wesh. Oh, ça pue en plus! Ah ouais? Moi, je me suis mis les mains dedans. Quoi? Ben, je l'ai senti, tu sais. Ah, tu vois, moi, ça, j'aurais pas osé. Il y avait un peu un sentiment de facilité, de pas avoir à parler tant que ça. On faisait juste avancer, on s'encourageait. C'est le feeling d'une activité qui est déjà divertissante en soi. Là. Ben oui, ben oui. T'sais, évidemment, là, t'sais, t'es pas comme pitouin, non, non, c'est ça, t'sais, tu te concentres sur l'activité. Faut que tu forces, tu te déplaces, tu te penches, tu grimpes, on s'entend. Et j'aime ça parce que moi, en fait, j'ai eu envie d'avoir quelqu'un que c'est facile de l'amener dans mes aventures, mais aussi de me mêler aux siennes. Wow! Good job! C'est fait? Je suis pas content d'avoir fait avec toi en plus. Oui, moi aussi. Ça a vraiment le fun, là, gros. C'est magnifique. Un petit date, un petit date. Ça, c'est-tu genre ce qu'on a descendu? Ils sont quand même cute, j'ai goûté. C'est fou de voir l'envers. On est tellement haut. On était tellement bas. Je trouve qu'il a l'air d'habiter mieux avec Alexandra, encore une fois. Je sais pas pourquoi. Ça fait plaisir. Mais Alexandra, je trouve qu'elle a l'air awesome. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Parce que j'aime tellement son énergie que j'ai comme... Son énergie est vraiment comme... Tellement mais... pétillante qu'on dirait que je voudrais l'avoir avec tout le monde. Là, au pire, ils croisent les deux. Là. Ouais, je suis pas sûre. Ouais. Moi, je veux de la merde un peu. Là. Ouais. Que, c'est-tu parce que tu pensais que tu m'en devais une ou parce que ça te tentait? Non, ça me tentait. Ben, je t'assure.
Non, non, pour vrai, ça me tentait parce que j'étais comme... À la cool, là, ce serait peut-être plus facile d'avoir vraiment comme un autre feedback de ta personne. Dans la voix de plus en plus, Laurence, c'est sûr que j'ai l'impression qu'elle va gagner de plus en plus de points. Je suis même pas capable de dire un truc qui me déplut dans la journée. C'est sûr que je t'ai quand même pas choisi pour rien, là, fait que... Ouais, j'étais vraiment content. Quand j'ai su Laurence, j'étais vraiment contente, vraiment. Nice. Ben, puis... je suis très contente aussi. Juste de lui mentionner mon intérêt puis que la discussion avec lui avait été aussi facile, plus qu'avec les autres gars, je trouvais ça important d'y en parler. Mais ben là, personne en ce moment, tu te demandes ça? Non, moi, je suis retournée chez mes parents. Ah, t'es chez tes parents, ça? Ouais. L'université, tu restais quoi? 6? 2 ans. Ah, 2 ans, OK. Ouais. Moi, le monde qui est déjà dans la même place, elle a encore 2 ans d'études. Ben, moi, je suis quelqu'un qui est quand même seté dans la vie. Mais je sais que t'es plus jeune, oui, right? J'ai 24. 24, OK, excellent. Ouais. 24. Ouais. Okay. 28, 24. Ça a l'air d'être des turn-off pour lui. C'est vraiment un petit détail banal que ça me fait pas peur. OK, good. Bon, c'est chill. Moi, le monde qui habite chez leurs parents, là. Ben ouais. Chris. Toi, t'habitais chez tes parents aussi, hein? Non. Yeah. Moi, ça? Mais non, c'était temporaire, là. C'était... ça a juste donné de même, là. Guys, Chloé, ça va te présenter ma chambre. C'était... tellement cringe, c'était cringe. Mais là, c'était pas si cringe que ça. Il est nice ton lit. J'étais là, c'est ma chambre. C'était tellement moi, je comprenais juste pas comment tu faisais pour dormir là-dedans. T'avais un drap, genre, qui t'abriait. T'avais... Chloé, une chambre de gars, mais une chambre de fille, c'est vraiment différent. Il y avait pas de porte. J'étais comme... Pas besoin de ça. Worthy, j'invitais pas les filles chez nous. C'était... chez nous, là, c'est comme... c'était pas la place pour que... j'suis comme, hey papa, what's up? Tu vois, c'était weird, là. Non. Mes parents ont très mais peu. Mais même à Mané, moi pis Matt, on dormait à côté. Le frère à Matt était à côté, pis là, on a commencé à. On s'est mis à fourrer. Le frère à Matt, il est monté en haut. Ça, je me suis jamais senti autant mal, pis j'arrêtais pas de dire à Matt, non, là, c'est vraiment gênant, c'est vraiment malaisant. Pis t'es comme, mais non, là, inquiète-toi pas, mon frère, il sait que c'est naturel. Mais non, là, son frère, il a pris son oreiller, il est monté en haut. Hey! C'est fucking malaisant, là! Ça va, gars? Ça va? Et bon repos! Ça a été vraiment une grosse journée. First, la route, là, j'avais mal au cœur, là. On était même dans les montagnes, j'étais comme... ah! Puis là, quand on est arrivé là-bas, on s'est habillé tout de suite avec nos suits. On arrive là, on se promène, saute d'une roche à l'autre. Là, on arrive devant à faire un rappel. Ça arrivait souvent, gars? On avait un rappel à faire, mais c'était comme dans les films, là. Hey, j'ai pas oublié de dire, j'avais Jérémy dans l'histoire. Oh my God. Puis après, j'ai eu ma date. C'est comme pas quelqu'un avec qui t'es obligé de parler. T'sais, il m'a dit, on dirait que j'ai juste le sourire facile avec toi. C'est simple, c'est pas compliqué. Ça confirme? Ben définitivement, là, vraiment, vraiment. Moi, il me fait ressentir exactement comme la dernière personne avec qui je me suis sentie, genre que je me verrais avec dans le futur. Là. Malade. Bon, la fille pourrait willing, genre, pas besoin. Ouais. She's talking about me. Ben oui, clairement. Ben là, obviously, on va dire avant que quelqu'un dise la chose. Genre de se maquiller pis tout, pis c'est vraiment quoi, comme petit côté princesse, petit côté plus aventurier, j'adore ce côté-là. Question? Yep. Potentiel amoureux? C'est sûr, en fait, oui, mais tu sais, là, je l'ai vu 2 fois, mais c'est sûr qu'il y a un potentiel amoureux, je suis vraiment intéressé envers elle. C'est quand même particulier. Je vous souhaite à tout le monde d'avoir une activité avec une personne que vous avez de l'intérêt parce que ça rapproche autrement. Non, on rappelle ton sentiment! Rappel? Oui. Hier, je pensais d'un top 9, là, je suis quand même capable de faire un top 5. Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends même pas. C'était vraiment bad. Rappelle ton sentiment! Rappelle? Oui. Hier, je pensais d'un top 9, là, je suis quand même capable de faire un top 5, maintenant. C'était pas mieux la deuxième fois, c'était pourri. En même temps qu'elle ajoute... ah! Oh. C'était pourri. Je pensais d'un top 9 à un top 5. C'était pourri, mais au moins elle a osé. On vous l'avait dit que ça pouvait rapprocher. Elle l'a essayé. Je l'ai, Marilyn! Ah! C'est vrai. Ben les moi, activités. Marilyn, j'adore de voir ce que l'année nous réserve. Fait que là, je vais juste spiral, genre, parce que je vais être comme... est-ce qu'il est vraiment intéressé? C'est pas vrai. Est-ce qu'il va partir avec une autre fille? Parce que les gars, ils veulent juste pas mon corps d'habitude. Mais juste que j'arrête moi, c'est encore... c'est pas moi, je suis comme ça. Sinon, mais j'étais encore pas. C'est parce que j'ai juste tout le temps de l'anxiété. Mais non, mais là, à osé, je suis pas mais ça cause. Mais je suis vraiment contente. Genre, les deep talk. Je suis vraiment intéressée par toi. Je suis contente pour toi. Genre, j'ai hâte de tomber en amour avec cette personne. Tu comprends, tu le les lumières sont vertes. Genre, classique. Les lumières sont vertes. Tout le monde dort, hein. Ouais. Ouais, c'est bizarre. À OD, les lumières, là, guys, c'était mon pire nightmare. Ça fait du sens. Ça, il se fermait jamais.
On dormait tout le temps. Ouais, aussi que quelqu'un parle, il fait pas de lumière. Pas tout le temps. Non, mais même quand on parlait pas, là, genre, on parlait pas, les lumières étaient ouvertes. Ouais, mais le gars qui avait la Switch, il était pas pressé, là, mettons. Ah, oh, non, non, pis des fois, on leur demandait, là, on leur disait, hey guys, on a arrêté de parler, on peut-tu juste fermer la lumière? Demande une grosse journée, on veut juste dormir. Mais le gars qui avait la Switch, il s'en crissait. T'as comme été juste mon fille. Fait gros, t'as comme pas le choix de stick avec, là? Non, moi, c'est pas une situation, mais je suis allé juste avec mon vibe. Tu vis que t'es un bon Jack, gros, tu te sens genre comme que si tu vas ailleurs, tu sais que probablement qu'elle va être en danger, right? Ouais. Ben, c'est ça. Oh. Ben, je sais que clairement, là. Fait qu'est-ce que t'aimes mieux faire? T'aimes mieux te concentrer avec le safe shot qu'on doit laisser partir? C'est comme si, gros, j'étais genre dans mon process une ou deux semaines d'avance sur vous, là. Ouais. C'est comme... Exact. Je suis f*** genre. Mmh. Il est en train d'avouer qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt, genre. Non, il est en train de dire que je suis comme trop locked in, je peux pas aller genre chiller avec les autres filles. Oui, mais c'est ça, il est en train de dire que comme ah, oh, j'ai pas tant. Non, là, il dit qu'il est fucked parce qu'il est trop identifié. Après une bonne nuit de sommeil bien méritée, on s'est rendu à Copenhague où le guide Louis nous attendait. Hello! Ça, c'est cool! Comme activité! Ça va peut-être être bizarre, quoi. Qui? Ça a l'air d'être bizarre. C'est comme il y a une pente, viens, c'est quoi? Ah, mais tu fais du ski sur le foin, c'est cool. Mais ça va durer genre 30 secondes. Mais non, mais ils peuvent remonter, là. Ouais, j'ai mais la voyons. Descente de genre 2 secondes. Je sais, mais je trouve que c'est quand même cool, tu sais. Tu vois pas ça souvent, là, faire du ski sur le foin. Faites de skateboard. So this is the world's only ski sport. C'est hot, ça. It contains a state-of-the-art power plant inside that burns Copenhagen's trash and makes it into electricity and hot water for 20,000 homes here in the Copenhagen area. C'est cool. About 300 trucks a day of trash come in here and gets burned inside this power plant here. So we're skiing inside of this. We're skiing outside on the roof. What? Oh shit, on the roof. Fait que le truc qui... Mais là, ça a l'air gros quand même, là. Le gros truc qui génère de l'énergie. Ouais. Pour la ville, ils ont fait du ski sur le top de ça. C'est vraiment cool, moi, je trouve. C'est fucked up. Ouais, quand même, là. Quand même. The longest of this kind with the plastic in the entire world. Oh, yeah. It's gonna be crazy. Faites de plastique. C'est en haut. J'espère qu'il y a des clôtures parce que dans le bas, on dirait pas qu'il y en a. Ouais, non, c'est ça. Léa, dans la vie, on va faire du snow. Là, on s'en va en ski. Donc, je pense qu'on va commencer pas mal au même point d'égalité. Moi, je suis quelqu'un de très compétitif dans la vie. Puis les défis, je prends ça à cœur. Dans le fond, c'est tout contraire de ce qu'on connaît. Bonne on course. Est en été. Le défi. C'est sur un genre de rubber en plastique. Ah, oh, c'est sur le... une tour. Quand j'ai vu la pente de ski, je me suis dit que ça allait être très, très, très facile jusqu'à temps que j'en mette un. Et que j'essaie de garder l'équilibre. Ah, oh, il y a fait un T-bar. Il monte avec un T-bar. Ça invente l'impression que ça glisse. Ay, mais c'est débile, c'est sûr, ça glisse full là-dessus. Par contre, ça glisse bien plus ça que ça en neige. Mais moi, je trouve ça fascinant. Ouais. Mais c'est hot, pareil. Ouais. So now we want to try to go up the ski slope to try to ski down. Ouais. Oh, c'est quoi, ah, un tapis! C'est pas facile. Donnez-moi un snow. S'il vous plaît. On va essayer le jump là-bas. Parfait. Je pars toute seule, donc on y va, on se lance. Mais j'ai un fait de ski. C'est assez drôle. Difficile, c'est glissant. Je me rappelle quand on était allé faire du snow. Garbage. Oh my god, c'est l'hiver passé, on est tous allés faire du ski puis du snow. Puis moi, je faisais du snow. Matt, il a fait, OK, je vais me louer un snow. Ben, en fait, au départ, il s'était fait de prêter un snow, il l'a pété. Je l'ai cassé, hein. Fait que là, il a loué un snow. Oh my god, Matt, il se plantait à chaque 3 ouais, secondes. Ben, j'ai fait du snow dans ma vie. 4 fois. Donc il n'y a pas vraiment de point d'appui où est-ce qu'on peut freiner. Not so bad. Woo! No, not so bad. That's perfect. Mais on se rend en bas puis ça s'est bien passé. C'est bon! C'est le frein le long. Mathieu est allé en premier puis ça avait l'air de bien aller. Là, j'espère qu'ils font pas juste une descente. Ça va bien aller. Yip! End off. Je sais pas si on est habillé en crise tout. Le gars, il a un manteau, là. Ouais, mais peut-être que ça allait vraiment pas bon, là. Peut-être que c'est sorry. Je te souhaite, Sylvestre. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je comprenais pas, fallait que je mette mon pot. Non, pas de problème. Et en ski, là, non, ça allait pas bien. Glisson, c'est pas le plus petit, genre, pour commencer, en fait, go. C'était un moment très unique après notre petite séance de ski. On a pu aller au-dessus d'une centrale énergie, sur une montagne artificielle. Ah, peut-être ça, Frank. Faut se brûler la peau. Puis on a la chance de se prendre une petite troulie, puis. Enjoy trouille. The moment. Une troulie, une bonne troulie. Comme sur le bord de l'eau. C'est comme un peu abandonné. On est dans une zone industrielle, on est sur le bord du port. Ah. Je savais vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait là. Ils vont ma sauter première pensée, c'était est-ce qu'ils vont nous faire sauter. Oh! Je m'attendais pas à ça! Une chance! OK, une chance, c'est bon. On est dans un hôtel grue.
Hey, je me serais pas attendu à ça, là. De l'extérieur, ça va ce que ça a l'air à l'intérieur. Super juste un beau, hôtel. Super techno aussi. Il y a comme un lit. Maybe douche. Oh. Au bout de la grue, il y a une place pour regarder le coucher du soleil. Ah, c'est cute! Peut-être qu'ils ont même pas dormi là, dans le fond. Je pense que c'est juste genre, ouais, ça se peut très bien. Ça se peut qu'ils sont allés voir ce spot-là, mais qu'ils ont pas dormi là. J'ose croire que OD doit avoir comme une espèce de subvention comme liée avec la ville où ils vont pour comme. Ben oui, ils disent, ils arrêtent pas de remercier Copen. Ah ouais, mais c'est vrai que peut-être que c'est comme une façon pour eux d'avoir une activité qui coûte pas trop cher. Ouais, c'est ça. On ressort. Hello! What's up, enfant? Zako! Montréal first! Aucune chance! Par où commencer? Peu. On va dire Montréal, mais propre. Pour vrai, le monde sont tellement beaux là-bas. Ça semblait pas à Montréal, pantoute. Là-bas, on serait toutes les. Je vous jure, là, incroyable. On va dans notre suite. Les filles, j'ai jamais vu ça. Mon appartement rentre genre 5 fois de temps. Arrête! Elle a pas de bon sens. Le lendemain, on commence avec du basic. Ils sont chanceux, on venait avant le party et tout. Oui. Mais là, ils ont été en une erreur le coup d'avant. Chris, ça a tout scrappé. Et moi, puis Kev, on était revenus à genre 10 heures pour la fin du party. Ben, Kev, t'es mais en même temps, j'étais vraiment. Ouais, lui. Il était saoulé dans le char, ou dans l'avion. Non, il s'était saoulé dans l'avion. Il est comme dans un chariot. Moi, je commence dans le chariot. Léa, elle chauffe. Ça a l'air super tough. On a switché de place, moi, puis Mathieu. Puis il était genre, ah, oh, je vais être meilleur que toi. Première affaire que je fais, je la crush dans l'avion. C'est pas encore arrivé, reste comme bravo, Mathieu. Bravo. Après ça, le soir, on a comme un bateau électrique. On promène une super bonne conversation, super smart la fille. Ça paraît pas pantoute qu'elle a 21 ans. Ça clique, on roule sur l'eau. C'était full romantique. On avait notre petite boisson. Puis on s'est frenché. On s'est frenché. Ah! Ah! Non, je suis yes! On s'est fait des props tout le long. On voit pas Rebecca. C'était ça, mon sang. On la voyait pas réagir, ça me surprend. Il y a pas eu de rapprochement pantin. On était comme cheers, puis on est comme props. Tu sais, moi pis Mathieu, la deuxième soirée, on avait plus rien à se dire. Mais on est quand même surpris, pour vrai, là, comme tu disais, c'est drôle, on a pas vu Rebecca de tout le long. Moi, j'étais comme pas là. Genre, je pensais pas que ça se rendrait là. Est-ce que t'as réussi? C'était quoi l'élimination? Une élimination de filles. OK. C'est une fille? Une seule fille? Ouais. Fait que tu parles un peu des gars, tu sais. Ouais, ben, il m'a dit que Vincent avait vraiment aimé sa date avec moi, mettons, mais qu'il était qui est sur Lara. Larry! Ouais! Mais oh! Ah, ben, tu sais, il a vraiment aimé la date, mais il y a vraiment une connexion avec Lara. Puis j'étais comme, OK, c'est correct. Non, mais tu as hâte de voir. Ouais, ben, j'ai hâte de voir ça. Ah, Céline, c'est dead, là. C'est une histoire qui. C'est une histoire qui. À moins qu'elle va avec Matt B, là. Ah, je me suis tellement trompée sur le. Parce qu'au début, le monde, il y a tellement eu un hype avec Céline, je pensais que c'était elle qui allait gagner, finalement. Ouais, Céline, ça poussait. Finalement, ça l'a crash. Là, tous les gars s'en torchent. Ouais, ça me surprend vraiment. Mais c'est parce qu'elle est jeune. Puis elle a l'air jeune aussi. Au retour, c'est le moment que les candidats attendent toute la semaine. La veine dans le front, j'ai envie de chier! Une thématique mariage. Est-ce que c'est nous, les mariés? Ah non, c'est...